Anacour est une société leader sur le marché du soutien scolaire à domicile. Nous nous sommes développés en 1999 avec du soutien scolaire et il y a une gamme de produits en fait qui s'est développée ensuite, donc avec des stages en petits groupes au sein de nos agences et de la garde d'enfants sortie d'école en fait. Également. Alors le profil du franchisé idéal, c'est généralement une personne qui a entre 40 et 50 ans et qui a travaillé pour un grand groupe et qui est en reconversion. Généralement, on demande à ce qu'il ait des qualités commerciales, donc un sens commercial, des bonnes qualités de gestion et une certaine sensibilité à notre secteur d'activité. L'apport personnel recommandé en fait est d'environ 30 000 euros, donc puisqu'on est sur des niveaux d'investissement qui sont de 80 000 euros. Anacour s'est développé en franchise depuis 2 ans. On a fait le salon de la franchise la première fois en mars 2009. En 2 ans, on a ouvert 16 agences supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait Anacour c'est un réseau de 21 agences. On est déjà présent dans pas mal de grandes agglomérations françaises. Et donc il y a encore des villes comme Nantes, Rennes, Angers, Tours qui sont à pourvoir et puis d'autres agglomérations de taille moyenne en fait sur le territoire national. Anacour apporte une réelle valeur ajoutée en fait en termes d'offres de services et a plutôt bonne presse et très bien référencé en fait aussi en termes de communication au niveau national. Donc ce qui est un plus pour les clients Anacour et puis pour les franchisés Anacour, j'aurais tendance à dire qu'ils bénéficient réellement d'une entreprise structurée qui communique, qui leur apporte du savoir-faire. Et un accompagnement avant, pendant et après aussi le démarrage de leur agence.